200 milliards de soleils dans la galaxie. 100 milliards de galaxies dans l'univers. Il y a autant de soleils dans l'univers que de grains de sable sur la planète Terre. Sommes-nous seuls sur cette plage immense ? Si nous trouvons des traces de vie sur Mars, ça voudra dire qu'elle est partout, la vie. Un processus universel, partout. Comme ces brins d'herbe qui poussent entre les pavés, ces coquelicots sur le parking des cités. Des cœurs palpitent dans l'ombre, dans des jungles inextricables. Des formes glissent dans l'onde, dans des abysses insondables. Des volcans crachent leurs cendres sous des lunes rétrogrades. Et si tout n'était qu'une anamorphose? S'il suffisait de trouver le point d'observation d'où tout devient clair. Sol 3, nous nous éloignons du vaisseau à travers la plaine aride et rouge. La Terre est un petit point bleu à 200 millions de kilomètres. Jadis, dans ce cratère, il y avait un lac, une rivière, un delta. Je ferme les yeux, je vois des ibis, des flamants roses. Je vois des brins d'herbe qui poussent entre les rochers. Des coquelicots dans la luzerne, les blés. J'entends le tonnerre qui gronde dans les sierras, les crevasses. Je vois se former les trombes et les tempêtes de glace. Je sens, lorsque la nuit tombe, monter la faim et l'angoisse. Dans les milliards de mondes, les créatures attendent avec angoisse la nuit qui tombe et l'ouverture de la chasse. Sol 470. Nous marchons dans la plaine aride et rouge. Ce matin, nous avons trouvé quelque chose d'étrange.